Hey là, c'est parti pour une courte vidéo, mais pour une lotion qui a une grande efficacité. C'est la lotion que j'ai appelée lotion 2C, lotion carotte et coriandre. Alors, pour préparer cette lotion, on va prendre une belle carotte, on va garder ses feuilles ou ses fans, on va y rajouter 5 branches ou un peu plus de feuilles de coriandre. Je vais démunir ma carotte de ses fans que je vais mettre de côté et puis je vais enlever la peau des carottes. Je vais tout laver ensemble, les fans de carottes et les feuilles de coriandre. Et on va laver le tout correctement. Et puis je vais venir râper ma carotte. Une fois que j'ai râpé ma carotte, voilà, il faut faire gaffe à la râpe pour ne pas se blesser. Je vais la filtrer à l'aide de mon pied de colle. Je vais réserver le jus et puis je mixe mes feuilles de carotte et mes feuilles de coriandre ensemble. Bien entendu, après les avoir coupées, je vais y rajouter environ 200 ml d'eau minérale. C'est pour une préparation d'à peu près 150 ml. On mixe bien tout ça et puis on va le filtrer au-dessus de notre jus de carotte. On va le rajouter à notre jus de carotte. Voilà, c'est super efficace comme recette. C'est super rapide comme préparation. La lotion de ces coriandre et carotte ou carotte et coriandre. Lotion d'une forte efficacité qui va venir aider à la pousse rapide des cheveux. Mes charmantes challengeuses, je sais que vous êtes au taquet. Je mélange bien le tout. Ensuite, je vais rajouter quelques gouttes de conservateur Cosgard. C'est une lotion que vous garderez 2 semaines au réfrigérateur sans conservateur. Puis je mets directement dans mon flacon applicateur. Bien entendu, lavé et désinfecté. J'appose mon étiquette comme d'habitude. Et puis on passe immédiatement à l'application. Alors en pratique, c'est une lotion qu'il faut appliquer sur le cuir chevelu. Voilà, là mes cheveux ils sont propres. Je venais juste de faire un shampoing. Mes cheveux ils sont propres. Donc il faut appliquer cette lotion sur le cuir chevelu, sur les longueurs bien entendu. Et il faut masser pour faire pénétrer la lotion. La carotte épaissit les cheveux et elle stimule la circulation sanguine. Donc fait pousser les cheveux. Pareil pour les feuilles de coriandre, elles ont également la faculté de stimuler la pousse des cheveux tout en limitant leur chute. Et les deux mélangés ensemble ont une odeur très agréable. Voilà, je masse, je démêle, je masse, je démêle, je masse les cheveux. Et oui, cette action d'entraîner les cheveux entre les mains, c'est tout à fait un massage des cheveux. Et puis je termine avec ma lock méthode. Je vais donc mettre mon leave-in. Je vais saturer les cheveux de leave-in pour permettre de garder l'hydratation plus longtemps. Pour finir, je vais sceller l'hydratation avec mon sérum huileux. En saturant les cheveux un peu plus avec la lotion ou le leave-in, ça permet de garder l'hydratation pendant au moins 3 jours. Donc celles qui sont flemmardes de plus d'hydratation quotidienne, ça c'est une technique bien adaptée. D'ailleurs, je reviendrai pour faire une vidéo sur comment je maintiens l'hydratation de mes cheveux. Je divise ma tête en quelques parties et puis je passe aux tresses. Voilà, vous voyez, ça brille. L'hydratation y est, je vais la garder pendant 3 jours à peu près. Et puis je vais faire pareil sur toute la tête. Voilà dans le partage que je venais vous apporter aujourd'hui. Je vous fais des très 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 gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment des lettres. Et je vous dis à très vite. Bisous.